Boum, et voilà, bonjour YouTube pour cette rediffusion, je suis en plein stream sur Monster Hunter Online, et vous arrivez juste à temps, en même temps vous êtes à l'heure puisque vous êtes sur YouTube, pour crafter une nouvelle arme, et je vais enlever mon katana cette fois-ci, et je vais donc passer au double lame, et je vais donc crafter ces armes du crabe, alors qui sont d'un élément. Ici on a des dagues de paralysie comme vous voyez avec le texte jaune, ici des dagues de poison et ici sûrement un autre élément. Donc c'est parti pour le craft et voilà, c'est fait. Est-ce qu'on peut les améliorer au passage? Je ne sais pas, on va regarder ça tout de suite. Et il nous refaut des insectes les gars. Mais waouh, on passerait de 45 à 70 quand même hein. Ouh. Et on passerait surtout à un tranchant vert. Donc je pense qu'on va aller les améliorer ces armes. Enfin peut-être pas là, mais clairement il va falloir aller les améliorer, ça c'est sûr. Hop, ouh, elles sont classe. Elles sont très très classe. Et on va aller chasser le monstre. Du coup il nous faut 4 insectes, juste 4 insectes pour recrafter et les améliorer grandement avec un tranchant vert. C'est quand même vraiment cool là pour le coup. Fouf. Apparemment, les virgules, ça marche pas. Sinon, ça voudrait dire que c'est Nesty qui aurait lancé le braquage. Allez, on va poursuivre la quête. Chapitre 4. Je dois aller taper des trucs. Waouh, une petite boule d'énergie. Ah, ça c'est... eau, feu... Oh, la foudre est tellement belle. Il y a un truc noir, c'est quoi l'élément noir, les gars? Quelqu'un a déjà vu un élément noir sur les Monster Hunter? Il y avait eau, feu, foudre, éclair noir, je sais pas ce que c'était, et glace en dernier. L'éclair noir, ça me dit rien, quoi. C'est dragon, d'accord, c'est le visuel des dragons. Merde. J'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas, j'ai plus d'interface. Merde. Merde, c'est quoi la touche pour l'interface? Take.
Ah merde, je me suis mute, ouais, forcément, ça aide pas. Re, du coup. J'arrive pas à les tuer, ces trucs-là. Oh, c'est la misère absolue, hein. Je les vois pas et tout. Ouais, je ferai un guess. Ouais, bah faut toujours fail. Mais en même temps, j'ai appuyé sur tellement de touches que j'ai dû me muter, c'est normal. Faut toujours des fails pour la rediff, c'est la base. Non, viens là. Ça monte trop, c'est relou. Ah vas-y, je change de jaune, ça me saoule. Bah, j'y retourne en fait, c'est par là-bas. Ah. Oh, mais comment je fais pour les toucher, franchement? Ah, là. Allez! Yes! Il m'en faut un. Oui, je fais chapeauter. Ouais. Je fais plutôt champoter, mais. Mais descends! Ta mère, descends! Chilé! Il est où mon féline là? C'est rien ou quoi? Ah, je te vois. Oh, je l'ai entendu au son qui se déplaçait à droite. Merci le 5.1. Pour la quête chiante. Ouf. Oh, c'était chaud. Oh, bah genre, je suis beau là. Je suis beau comme ça. On dirait le bouffon du roi, quoi. Le bouffon du roi sous une cascade. Bon, du coup, c'est des armes d'eau, hein. C'est pas de bol. J'aurais préféré la foudre, bien sûr. Voir le dragon, hein, les éclairs noirs aussi, ça me plaît bien.
Limite, les éclairs noirs et rouges, ça aurait tendance à me plaire plus, quoi. Allez, on en... Ah oui, non, faut valider la quête. Quoi? On me dit que c'est pas la bonne quête? À moins que ce soit celle-là à faire. Non, non, je pense que c'est ça. On enchaîne! La tête comme ça, c'est stylé. Allez, go! J'ai le chapeau qu'il nous faut. Je dois tuer un boss cette fois-ci. C'est énorme le visuel, je sais pas si vous avez juste remarqué, il y avait genre, vous voyez au fond il y a du flou, hein, par rapport à la chaleur, et il y en avait autour de mon personnage, il y avait genre ça, comme vous aussi votre personnage était super chaud, et dès que j'ai bu la boisson fraîche, eh ben ça n'y était plus. C'est quand même juste méga stylé le moindre détail qu'il peut y avoir dans ce jeu, quoi. Bon, il va être où le patron? C'est pour ça qu'on peut avoir des détails de ouf avec un jeu avec des qualités graphiques comme ça. Ah oui, par contre, c'est vrai que j'ai plus la capacité de... Tape-moi, toi. Non. Okay. Ah, par contre, ça fait des dégâts de porc. Aïe, mais à chaque fois, je fais l'esquive. Mais non, je suis plus au katana, excusez-moi. Je fais encore les mêmes techniques que le katana, mais je suis au double dague. Ah, on remarquera là que le féline a voulu me taper. C'est bien, c'est bien. Des progrès. Je fais des dégâts de ouf sur les dagues. Laisse tomber, j'ose même pas imaginer si je les améliore encore. Oh, le DPS de porc! Comparé au katana, c'est oufissime les dégâts là. Hein. Oh, je connaissais pas ce coup. Ok. Je radote. Ah ouais, non mais elles ont un DPS de fou, c'est quand même ces dagues. On va le tuer en 2-3 coups de dague, ou pas. Je pensais qu'il allait s'enfuir au départ, du coup je l'ai voulu le taper.
Bio, bienvenue à toi, Ken God. Et du coup, il s'est barré, je l'ai pas marqué. Magnifique, ça, c'est le GG. C'est le GG absolu. C'est pas mal, ce petit décor, ici. Je ne sais pas du tout où il a pu partir, par contre. Je vais tenter en 7, puis en 3. Voilà, là, c'est la première fois que je te vois en IRL. Ouais, enfin, non. Tu me vois pas en IRL, là, puisque je suis derrière le PC. Me voir en IRL, c'est me voir en vrai, quoi. Mais bienvenue à toi, quand même, sur la chaîne. Tout à l'heure, on s'est pris un cactus dans le fion. On m'a dit, celui-là, il ferait mal, hein. Ouf. Ah, oh, il va être parti où? Ouais, mais c'est normal, mais c'est plus lent. C'est plus lent, corps de chasse aussi, donc tu fais des dégâts forcément plus élevés. Tu sais, avec la grande épée, tu dois taper à 100, hein. Mais là, si tu regardes au niveau du DPS, ça part genre 13-10, 13-13, 12-12. Il y a moins de coups, mais voilà, voilà les coups que ça envoie en termes de vitesse. Quoi. Et merde, il est en 4. Non? Mais merde, ah oui, il est là. Il me fait peur le petit truc qui a lancé le... Ça, je suis quand même étonné de faire des super coups à 26 parfois selon où je tape. Wouah! Wouah! Oh les dégâts de ouf! Oh c'est n'importe quoi! T'as les dégâts en pagaille qui sont affichés, c'est dingue! Genre elle attend sa mort, elle. Oh, il est blessé là. Ah ben, avant qu'il parte, on y a quand même mis la dose de dégâts. Hein. Je sais lire l'asiatique. Non, pas du tout. Je comprends pas le chinois. C'est du chinois pour moi. Oh oh oh. Oh oh! Pardon. Ah, le chacal, il rechange de zone. Non, on voit pas la barre de PV du boss. C'est pour ça que ça ne change strictement rien de voir l'affichage des dégâts, quoi. Wouah, le 91 au réveil. Oh bah regardez, pfouah. Tellement découpé. Putain, j'adore ces dagues. Dommage que c'est de l'eau, mais franchement. Si j'avais les mêmes en foudre.
Ça me donne tellement, tellement plus envie de farmer ce jeu que les autres Monster Hunter, tellement c'est beau et c'est stylé, quoi. Et puis ces dégâts, quoi. Avec les dégâts, ça change tout. J'ai vraiment l'impression, regardez, on a changé, on est passé d'un katana au dague. Et d'un seul coup, tu fais, waouh, c'est la folie, quoi. Et donc, voilà. Ah ben, comme ça, on finit bien le stream sur un bon petit truc. Et hop, la petite vague de chaleur est dissipée. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, du coup, on va se quitter là-dessus. Pile poil 23h30, c'est parfait. Comme ça, on est bien. Et ben, pour ceux qui seront sur la rediffusion YouTube, et ben, j'espère que ça vous aura plu aussi. Vous aurez pu voir ces nouvelles dagues d'épaisse gigantesques par rapport au katana si vous avez vu les anciennes vidéos. Et donc, je coupe la rediff là. Ciao tout le monde !